Good morning, allez, dernier sujet aujourd'hui, le Nishmat, David Ben Fortuna Mazal Fritna et Lucienne Batraina. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sechet Nazir, Perek Aleph Mishnah Gimel, Stam Nezirut, Shloshim Yom. Amar Areni Nazir Achat Gedola, Areni Nazir Achat Ketana, Afilo Mikan Ve'at Sofa Olam, Nazir Shloshim Yom. Areni Nazir Ve'yom Echad. הרי נזיר ושעה אחת, הרי נזיר אחת ומחצה, הרי זה נזיר שתיים, הרי נזיר שלושים יום ושעה אחת, נזיר שלושים ואחד יום, שהם נוזרים לשעות. On commence maintenant à s'intéresser à la durée minimale de la nazirut. Il faut savoir que le nazir, il a une mitzvah de, depuis le moment où il reçoit, il prend sur lui de devenir nazir, de, donc de trois gros, une grande conduite. Ne pas s'impurifier, ne pas se couper les cheveux, ne pas boire du vin. Dès lors, il doit se laisser pousser les cheveux, il ne doit plus toucher ses cheveux, et à la fin de sa nésiroute, il devra les apporter, il devra aller au bétamidage, apporter des courbanotes, se raser les cheveux, les brûler. Ses cheveux sont une gdoucha en fait. Et il devra ensuite les raser et les mettre à brûler. De ce fait, la nésiroute doit durer un certain temps minimal. C'est en partie lié aux cheveux, c'est pas forcément lié, mais en tout cas. Ça dépend des avis en fait. Il y a concrètement, quelqu'un qui dit sur moi, je prends sur moi d'être nazir, il doit être au minimum 30 jours. D'accord? Stam nezirut shloshim yom. Ça, c'est déduit du pasuk qui a dit Kadosh ihye, Gadel Pera, c'est un rocho, Gadol ihye, la gematria de ihye, yud ke, yud he. Ça fait yud c'est 10, he c'est 5, il y a 2 yud, ça fait 20, plus 2 fois 5, 10, au total 30. Donc Stam nezirut dure 30 jours. D'accord? Stam Nezirut Shloshim Yom. Ok? Quelqu'un qui prend sur lui d'être nazir, c'est 30 jours. Maintenant, il faut bien comprendre. Je peux décider d'être nazir plus, je peux être nazir pendant 35 jours, pendant 100 jours, pendant 800 jours. Et tout ça, c'est une grande nazirut. Et il y aura plein de halakhot aussi, que si jamais j'ai cassé la nazirut en plein milieu parce que j'ai dû m'impurifier pour un mort, et je devrais redémarrer le compte pour les 800 jours si j'ai pris 800 jours. Mais si t'as rien précisé, tu devras juste faire 30 jours. D'accord? Stam Nezirut, Shloshim Yom. Peu importe, il a dit, Amar Areni Nazir Radgola, je prends sur moi une très grande Nezirut. Il n'a pas précisé combien. Une grande Nezirut. Ou je prends sur moi une petite Nezirut. Areni Nazir Achat Ktana, une petite Nezirut. Ou bien il a dit, Afilo Mikan Vatsovolam, d'ici jusqu'au bout du monde, je prends une Nezirut, d'ici jusqu'au bout du monde. Dans tous ces cas de figure, Nazir, Shloshim Yom, il ne sera Nazir que pendant 30 jours. Parce que. Je trouve que le partenaire n'a pas expliqué, c'est la Gemara qui l'explique, que le nazir, quand il dit une grande nazirut, ça ne veut pas dire forcément une grande nazirut dans le temps. Ça veut dire aussi une grande nazirut, quelque chose de très grand. Et même 30 jours, c'est très grand. Pour certaines personnes, ne pas boire du vin pendant 30 jours, c'est énorme. Ne pas se couper les cheveux pendant 30 jours, ça peut être énorme. Donc, en fait, ça veut dire, en fait, je prends une nazirut qui va être grande sur moi, dans la mesure où c'est quelque chose de très grand sur moi de prendre une prishut, pareil. Une prishut, c'est-à-dire du recul sur le matériel, pareil. Un René Nazir, ou bien aussi, c'est la dit une petite Nezirut, ça veut dire une petite Nezirut, le minimal imposé. Ou bien même, c'est la dit Mikan Vatsof Olam, quelque chose de gigantesque pour moi, ça me paraît comme une montagne. D'ici jusqu'au bout du monde, ça me paraît de prendre une Nezirut pendant 30 jours. D'accord? On continue. Donc, dans tous ces cas de figure, Nazir, je ne sais même sans Nazir pendant 30 jours. Par contre, non, par contre. C'est la dit un René Nazir, veillant Mirat, je suis Nazir, je prends sur moi une Nezirut et un jour. C'est quoi cette expression bizarre là? Je prends sur moi une nezirut et un jour. Donc une nezirut et un jour de nezirut. J'ai pris sur moi en fait une nezirut de 30 jours, plus j'ai voulu prendre une nezirut de 1 jour. Le seul problème est que si je veux dire que je vais être nazir pendant 1 jour, je serai nazir forcément pendant 30 jours. Parce qu'il n'y a pas de. Le minimum du nezirut c'est 30 jours. Donc dès que tu vas être nazir pendant 1 jour, ça implique que tu vas être nazir pendant 30 jours. En l'occurrence, tu as dit Areni nazir veyom echad. Je prends sur moi une nezirut et même un jour en plus. Supplémentaire, genre je finis ma nezirut et je prends encore un jour supplémentaire. Ou encore, Areni Nazir Veshachat, je prends sur moi une nezirut, et même après quand j'aurai fini mon rituel et j'aurai porté mes commandos de Ben Amigdash, je prends sur moi une petite heure de nezirut, Veyom Echad, Veshachat, une heure de nezirut. Dans ces deux cas, ou encore même, Areni Nazir Achat, ou Mechetza, je prends sur moi une nezirut et une demi-nezirut. Dans tous ces cas, Arezen Nazir Shtaim, il sera Nazir. Il devra prendre sur lui deux nezirut, ça veut dire compter 30 jours, aller se raser la tête au Bet-Amigdash, apporter ses corbanotes, et il sort du Bet-Amigdash. On dit à la maintenant, tu redémarres encore une deuxième série de 30 jours, deux nezirut, et tu rapporteras de nouveau tes corbanotes. Pourquoi?
La Gemara va nous dire à la fin, il faut continuer encore un petit peu la phrase. Areni nazir shloshim yom veshar. Par contre, s'il a dit sur moi, je prends sur moi d'être nazir pendant 30 jours et une heure, c'est pas qu'elle a dit une naziroute de 30 jours et une heure. Je prends une naziroute de 30 jours et une heure, ou encore nazir shloshim ve'echad yom, une naziroute de 31 jours. Alors là, dans ce cas-là, nazir shloshim ve'echad yom, dans ce cas-là, il me manque une chose. Ah non, j'ai mal lu la phrase, excusez-moi. Areni nazir shloshim yom ve'echad. S'il a dit que je vais être nazir pendant 30 jours et une heure, alors la Mishnah me tranche la halakha, il devrait être nazir shloshim ve'echad yom. Il devrait être juste nazir pendant 31 jours. Pourquoi ? Chez En Nozrim le Shabbat, parce qu'on ne peut pas prendre de nazirut pour des heures. Il faut nécessairement des journées. Je m'explique un petit peu mieux. Il y a deux cas dans la Mishnah en fait. Il y a le cas où il a dit je prends sur moi une nazirut et une heure, ou le cas où je prends une nazirut de 30 jours et une heure. La différence elle est simple. C'est que quand, lorsque tu. D'abord, on va pas parler de deux, on va parler d'abord de jours. Si tu dis je prends une nazirut et un jour, comme on a expliqué, ça veut dire que tu as pris premièrement une nazirut de 30 jours, et en plus de ça, tu as voulu prendre une nazirut de 1 jour. Or, quand tu prends une nazirut de 1 jour, ça n'existe pas contre nous. Dès que tu veux sur toi d'être nazir, c'est forcément, ça implique d'être nazir pendant 30 jours. Donc tu as pris une nazirut plus un jour de nazirut, ça implique forcément de démarrer un nouveau cycle de 30 jours. On ne prend pas à moitié. Ouais, tu n'es pas libre de décider combien de temps va durer ta nazirut. Il y a un minimum imposé de 30 jours. C'est comme si quelqu'un qui va vouloir marier une femme pendant une semaine. Je donne des kudushin à une femme, ouais, tu es marié à une femme que pendant une semaine. Ça ne marche pas. C'est devenu ta femme, c'est devenu ta femme pour l'éternité. Jusqu'à ce que tu la divorces, tu veux. Mais tu ne peux pas la marier pour une durée limitée. Même principe aussi, tu ne peux pas prendre une naziroute pour une durée limitée de 1 jour, tu dois prendre forcément 30 jours. Mieux que ça, si tu prends une heure de naziroute, allez, pendant une heure je suis nazir, je ne m'impurifie pas pour les morts, je me coupe pas les cheveux, je ne bois pas de vin, ah, tu as pris sur une naziroute de Shaot, forcément ça devient une naziroute de 30 jours de nouveau. Par contre, si tu prends sur toi, tu veux prendre plus que 30 jours, tu peux prendre 31 jours de naziroute, tu seras nazir pendant 31 jours. Mais si tu prends 30 jours et une heure de naziroute, pour une seule grande naziroute qui va durer 30 jours et une heure, genre, tu prends, tu fais donc 30 fois 24 heures, plus, en plus de ça, hein, quand tu démarres la 31e journée, tu prends une heure de naziroût. Là, hein, puisque tu as commencé à mordre la nouvelle journée, tu dois être nazir la journée supplémentaire. Et elle est inclue, parce que ça n'existe pas de devenir nazir pour quelques heures. Forcément, ça se mesure en journée de naziroût. Et dans ce cas-là, ça durera 31 jours. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de slachakol, tout, vous c'est là.